temps en temps, je circule en voiture, mais que quand c'est pour des trajets assez longs. J'utilise pour aller faire mes courses, j'utilise pour aller amener mes enfants au sport. Je dois aussi rentrer tard le soir, j'utilise tous les jours. La place de la voiture à La Courneuve, je dirais qu'elle prend trop de place. C'est un peu gênant des fois parce qu'il y a beaucoup de circulation. Ah, c'est un grand sujet. Chaque personne a une voiture pour se déplacer et ils n'arrivent pas parfois à trouver de la place pour se garer, quoi. Quand ma famille vient, mes enfants viennent, c'est compliqué de trouver une place de stationnement. Souvent, c'est des problèmes de PV parce que du coup, on n'a pas forcément payé au bon moment. C'est pas normal d'habiter vers Hôtel de Ville, vers la mairie, habiter, payer son loyer et en plus payer sa place pour se garer. On aimerait que les choses soient pas chères, c'est-à-dire gratuites, mais fatalement, si c'est gratuit, si c'est pas cher, il y aura plus en plus de véhicules qui voudront se garer. C'est pas très cher, mais je pense aussi qu'il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place, c'est surtout ça le souci. Donc les gens stationnent un peu, stationnement sauvage, et il n'y a pas assez de place, quoi. Il faut inciter les gens à prendre des transports en commun. Peut-être créer un parking justement pour les personnes en situation de handicap. Que les gens soient plus nombreux dans leur voiture. Mettre un peu plus l'accent sur le covoiturage. Dans chaque foyer, il y a plusieurs véhicules. Quand on regarde les véhicules un petit peu sur la route, on voit beaucoup de gens seuls. Si les gens arrivent à avoir une place moins chère en parking, je pense que ça va diminuer le nombre de voitures stationnées sur la ville en général, quoi. Je sais qu'il y a des projets de faire des parkings, par exemple le 8 mai 45, c'est une très bonne chose. Donc on est quand même sur une problématique qui est assez importante et là justement nécessite d'avoir un référendum.